avec sa grosse voix. Ça lui suffit, il avait marmonné, il avait dit ce qu'il avait dit. Mais l'âne, lui, il a dit, moi, je vais essayer de trouver quelque chose. Et il est parti dans la colline. Et dans la colline, même dans les champs, il ne trouvait pas de cachofle le vieil. Il ne trouvait pas ce que les ânes adorent. Qu'est-ce qu'ils adorent, les ânes? Qu'est-ce que c'est qui, pour un âne, est le comble du plaisir? Le chardon. Le chardon. Kenaut, elle pouvait ça, vous disait, le cardou. Hein, Esperaco, que là où c'est, où qu'elle va sur les cardous, c'est le chardonneret en français. Mais une autre disait... Il a pris cette plante piquante dans la bouche, et il a cheminé, et quand il est arrivé, eh bien, il est arrivé, et là, c'est là que le miracle de Jésus s'est produit. Lorsque vous mettrez, comme là, sur le piano, un beau bouquet de houx, eh bien, vous songerez un peu à cette histoire-là. Vous verrez un petit peu que cet animal stupide aux grandes oreilles, eh bien, il a porté beaucoup d'amour. Et cet amour, il s'est traduit par ces petites boules de sang qui sont conservées maintenant dans toute la Provence et bien ailleurs. Et donc, vous penserez un peu à ce petit âne gris et vous penserez aussi que les ânes de Provence ont sur le dos la fameuse croix.